On y va? D'accord. Alors, 2h30. Dites donc, on passera au polissage, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous ne croyez pas que c'est allé un peu fort? Après tout, c'est pour eux, non? Croyez-moi, tous les moyens sont bons pourvu qu'on y arrive. Qu'est-ce que je vous disais? Je savais bien que je piquerais quelqu'un. Pourquoi ne mettez-vous pas vos lunettes? C'est gênant les lunettes, monsieur Marlin, vous le savez bien. Et un copeau dans l'œil, c'est pas gênant, non? T'es marrant, toi! Malin. Gardez un peu la binette que j'ai avec ça. T'as raison, tu serais bien plus chouette avec un œil de verre. Les lunettes, c'est pas esthétique, alors vous comprenez? Combien vous reste-t-il encore de pièces à faire? Encore une cinquantaine. Dites donc, Bord, jetez donc un coup d'œil de temps en temps à l'aluminium. Qu'est-ce qu'il y a? Travaille sans lunettes. Encore? Qui ça? Maria Borel. Oh, putain de porc. Eh ben, surveille-les un peu. J'ai pas que ça à faire, moi j'ai mon boulot moi aussi, voyons. Je vous l'ai déjà dit, tant que vous prendrez pas les sanctions, ça sera comme ça. Allons, mais vous savez bien qu'on ne peut pas. Ah là, tu dérailles, mon vieux. Mais non, je déraille pas, vous voyez bien les lunettes, la moitié du temps, ils les mettent pas. Votre histoire de gants, c'est la même chose. Les protecteurs, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? On peut pas protéger l'ouvrier s'il refuse de se protéger lui-même. Alors? Ah tiens, à propos, l'acier est arrivé. Ah bon, faites français tout de suite, je termine ma tournée avec Mono et on va mettre ça en route.